4 années se sont écoulées depuis les événements sanglants du 20 janvier 1990. Chaque année, la tragédie du 20 janvier est largement célébrée en Azerbaïdjan comme un jour de deuil national. Ce jour incarne la lutte du peuple azerbaïdjanais pour la liberté. Dans la nuit du 20 janvier 1990, les troupes soviétiques sont entrées dans Bakou et ont ouvert le feu sur les civils qui manifestaient dans les rues. Au cours de cette nuit, 121 personnes ont été tuées par les soldats soviétiques dans différents quartiers de Bakou et plus de 700 ont été blessées. Au total, 147 personnes sont mortes pendant cette période, 25 femmes et 20 enfants ont été blessés. Cette nuit-là, le dirigeant national Heydar Aliyev s'est rendu à la mission permanente de l'Azerbaïdjan à Moscou pour condamner fermement cette action sanglante et protester contre l'assassinat de civils qui élevait la voix contre l'injustice, car il s'agissait d'un crime non seulement contre le peuple azerbaïdjanais, mais aussi contre l'humanité. Chaque année, le peuple azerbaïdjanais se souvient de la tragédie du 20 janvier, qui a laissé une marque indélébile dans le cœur des gens. Aujourd'hui encore, chaque Azerbaïdjanais honore et chérit la mémoire des héros qui sont morts au cours de cette nuit tragique.